la libération du pays d'Haïti, tu n'as pas de saline. Ce n'est pas loin. Songez-moi de dire ça clairement. Ça qui arrive quelque part par rapport avec la coopération que l'international, ou du moins les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, gagne avec Haïti, n'est pas pour te fuir pour le pays. Nous, elle, well, l'éclair devant nous. Ça veut dire que nous n'avons pas fait l'international confiance lorsque nous prenons une décision. Soit disant, nous disons, nous prenons pour Haïti. Nous sommes capables de comprendre ça quelque part. Maintenant, ça qui est pour eux, avec dossier sanction, songez-moi de dire ça clairement, l'aider. Pour nous renforcer, c'est nous-mêmes qui pouvons prendre responsabilité. Pour nous faire régime de sanction, ça, devenir vraiment une réalité. Qui s'est passé? Je dis là, moi clair sur ça, moi connais environ 178 personnes que les États-Unis d'Amérique et le Canada sanctionnent quand ils ne parlent pas là. Gagner 178 personnes qui financent les gangs dans le pays d'Haïti, qui alimentent les gangs dans le pays, qui ont des drogues dans le pays, qui ont tué les gens dans le pays, qui ont kidnappé dans le pays. Actuellement là, nous, yo déjà nommé gouverneur Banque Centrale, tout le monde sait. Qui est bon kakaotio, que ce soit Canada, que les États-Unis d'Amérique, que en Haïti, moun sa yo pa gen accès pour faire transaction même yon dollar sous compte bancaire sa yo. Surtout pour nèg sa yo qui gen compte dans pays États-Unis d'Amérique et le Canada. Moi même m'a dit non grande bagaille. Sanction l'ap aidé. Parce que li met on équipe nèg là dans l'embarras. Yo pas à l'aise. Et nèg yo patouye même yon poule dans pays a côté m'a pas la vola. Et me dit nous ça clairement. Ouais, régime de sanctions ça, il va faciliter nous même haïtiens, nous pour faciliter pour que nous à l'aise dans le pays. Qui ça fait ça? Parce que conseiller de nègres dans le pays ça. C'est dans tout le monde, yo prend pouvoir. C'est dans tout le monde, yo fait l'argent. C'est dans déstabiliser pays, yo prend pouvoir. C'est dans alimenter gang, yo fait l'argent. Et mais je dis, conseiller de nègres qui était sénateur, qui était député, qui était ministre, qui était président dans le pays ça, me garantis vous. Même pour une seconde, il n'y a pas qu'à Azek dans le pays encore. On pense que sanctions pays Canada pas aidé, l'a aidé. Parce que Haïti doit délivrer. Parce que nous trouvons dans la situation aujourd'hui là, blanc senti que nous-mêmes qui sommes dans l'île, nous venons tourner un colis encombrant pour lui. Et quelque part, s'il pas font effort pour lever pied, eh bien, le monde entier, quelque part, le monde entier, après que international, vraiment, surtout pour pays qui soit disant amis pays d'Haïti, n'a pas mettez tout ou ni parce que réalité n'a pas mettez sur les réseaux sociaux. N'a pas dit vérité. Ya. Et il y a un pile d'autres nations, surtout pour la Russie, la Chine. Il y a un pile de monde qui a traduit pour eux, qui a compris la réalité dans le pays d'Haïti. Il y a tout ce qui a passé dans le pays. Et bien nous-mêmes, nous sommes dossier en vie. Pas de ce qui a effacé. On n'est pas qu'à camper ou dire comme ça que vous finissez tout le président parce qu'on a un passeport américain, parce qu'on a un passeport canadien, parce qu'on a un passeport français, ou un passeport égyptien quelque part. Ou qu'on est que, ou qu'on a légitimité pour assassiner le président. Eh bien, nous dit non. Ça, il n'y a pas de impuni. Eh bien, camper, grain de Bouddha, pour nous dire, fuck président ça, il joue une justice. Et ceci, c'est tout, sous toute forme pour que le président Jovenel Moïse joue une justice, papa ici. Gen 178 personnes dans le pays d'Haïti qui sont déjà sanctionnées. 178 moun sa yo, pa gen yon banque États-Unis d'Amérique qui capable faire transaction même $200 américains pour nèg sa yo. Pa gen yon banque au Canada qui capable faire de transaction $200 américains pour nèg sa yo. Pa gen yon banque dans pays d'Haïti qui capable faire transaction $200 pour monsieur sa yo. Kounya la, ça qui est important pour moi. Nous pral wè effectivement des personnalités que yon sanctionné nous connaît qui responsable banque dans pays a qui gen banque dans pays. Nous gen Sherif Abdallah qui c'est une propriété propriété Soje Bank. Nous gagnons Reven Bidjo. C'est actionnaire dans plusieurs banques dans le pays. Alors Gilbert Bidjo, qui c'est papa Reven Bidjo qui est responsable de toute bagaille papale volant dans le pays à Kounia. Et milliardaire qui oyé. Nous gagnons Renold Dib, qui c'est une plus gros importateur dans le pays. Il a comme si importer toute fatra dans notre pays pour craser la production nationale dans notre pays. Nous gagnons Gilbert Bidjo. Nous gagnons Sherif Abdallah. Nous gagnons exactement Renold Dib. Trio ça, c'est un trio qui est extrêmement fragile. Mais ça qui est important pour que nous connaissions,
Nèg sa c'est des monde qui responsable banque dans pays a. Yo actionnaire dans gros banque dans pays a. Yo influent. C'est des nèg qui a monté dollar, fait goud dans tournez oreille bourrique pour capable multimillionnaire continuer continue faire l'argent pas n'importe qui moyen parce que yo touyé président qui était là qui t'a aidé banque centrale mettre contrôle sur banque ça yo. Et ben là fin touyé président, yo mettez gouvernement pa yo. Et ben kounya même gouvernance a toujours là. Mais pas de pièce contrôle sous banque ça yo, li pa ka passer au l'autre. Mais je dis ça que fait nous est que gouverneur banque centrale là qui c'est Jean-Baptiste Dubois capable camper pour sortir un autre pour le jour ça que yo gagné 178 personnalités dans un pays que blanc sanctionné. 178 moun ça yo, c'est 178 moun qui pa ka faire pièce transaction dans quel que soit banque dans monde là parce que États-Unis d'Amérique a plein contre son ça yo à travers le monde. Est-ce que vous comprenez? Nèg sa pa ka fè transaction même yon dollar nan compte en banque yo nan la coupe pays d'Haïti. Même yon dollar yo pa gen accès avec l'argent que yo te gen de banque à l'étranger. Ça veut dire qui ça? Sanction quelque part, nous capable dire que la PD. Et ben moi même pour que régime de sanction ça capable aider pays pour tout bon, m'a dit peuple haïtien. Nous pral chercher liste 178 moun sa yo. Moi connais André Michel là-dedans. Moi connais Nel Kassi là-dedans. Moi connais gros paquet nèg politique qui là-dedans mais nous pas qu'on révéler. M'a dit chaque grand haïtien qui attendem qui regarder là. Nous avons une grande responsabilité. Pour nous pas jamais être criminel encore. Ça veut dire que imaginons 178 moun met Haïti tête en bas. Gangsterise pays là, met ceinture tout pour ça avec gang, bas âme dans tout pays là. Il pas plus 178 moun en attendant et là et le kengeye. Pour dire que 2 millions haïtiens pas qu'à résoudre problème pays d'Haïti ya. Mais moi une fois pour toutes m'a dit nous ça. Nous pas besoin blanc pour nous résoudre problème pays d'Haïti. Jamais. Nous pas besoin pièce blanc, pièce support blanc pour nous résoudre problème pays d'Haïti, jamais. Problème pays d'Haïti, haïtien capable résoudre problème pays d'Haïti. Mais son responsabilité. C'est haïtien qui pour connaît que yo porte Haïti dans cœur yo. C'est haïtien qui à l'extérieur qui pour connaît que faut que moi tourner la caille. C'est haïtien qui vivent dans pays d'Haïti, qui vivent ça qui a passé dans pays d'Haïti. Qui pour connaît que yo pas supposé continuer à kidnapper yo. Mais si nous pas conscients, et même garanti nous, n'a prêté la dedans et tôt ou tard, n'a prêté 3 4 grands haïtiens qui a prêté dans pays d'Haïti, si ou pas choisir rentrer dans gang. Et même garanti ou pas qu'à vivre dans pays parce que pays a gangsterisé normalement, pas comme monde bien qui a la dedans. C'est volant, c'est kidnapper, c'est assassin. C'est assassin pardon. Gros grand bail pour que nous connaissons. Jodi a. Faut que nous connaissions nous même haïtiens qui a kidnappé ya. Qu'est-ce qui a kidnappé nous? Des gens qui dans le secteur privé, qui choisissent d'utiliser les politiciens pour faire les politiciens gangsteriser à terre à travers les bandits à Sapatio. Et bien, je dis, je veux les haïtiens commencer à dire que je file les manchettes pour ne pas jamais kidnapper ça dans le secteur privé qui a gangsterisé le pays encore. Manchette nous. Nous n'avons pas de armes, nous n'avons pas encore pour acheter des armes. Nous n'avons pas de manœuvre des armes. Mais avec manchette nous, qui nous a utilisé pour nous prendre liberté. Mais évidemment, manchette la gon énergie là-dedans. Automatiquement, li nan men nous mêmes les haïtiens. Manchette la gon énergie qui a traversé là-dedans. Gon force. Li gon esprit révolutionnaire. Le gon manchette nan men ou. Le gon poto manchette nan men ou. Avec objectif que ou envie de libérer pays ou. Ou envie de retirer pays ou. Ma griffe, yon groupe moun qui a fait violence sur toute une nation. Qui te prenne de l'état avec les âmes. Qui pas de peur pour s'en te couler. Lorsque je suis en amont, je garantis que Edouard Bossan a bon pays. Oui. Dimitri Vob a bon pays. Oui. La famille Vob. Gilbert Bidjo a bon pays. Oui. Le chef Abdallah a bon pays. Oui. Le Bossan a bon pays. Le Conventon, le Dragon, le Amba, le Ordal, le Meuse a bon pays. Parce que vous connaissez que Haïtiens, leur pote manchette, ils veulent dire exactement ça que vous voulez dire. Si nous quittons nous-mêmes les Haïtiens, messieurs ça yo capable camper là pour toujours à fonctionner dans le pays là, me garantis nous c'est que nous font choix pour que nous continuons à manger fatra, à manger labou, à battre, comme si à baigner de la misère et puis pour un groupe criminel qui a dominé le pays là, à faire toute qualité ça dans notre pays là. Moi dis Haïti doit délivrer. Nous avons possibilité pour qu'il délivre. Mais délivrance là, il remet chaque grand haïtien. Moi une responsabilité pas m'en prendre. Pendant environ 17 mois assassinat Jovenel Moïse pral 18 mois parce que je dis pas oublier il fait Regina Boulos exactement et je dis fait Regina Boulos 18 mois depuis qu'elle quitte pays d'Haïti 2 jours avant le voyage tout le président Jovenel Moïse
Ça veut dire que nous avons environ 18 mois depuis nous campons, nous menons bataille bon côté ou même chaque grand haïtien. Son bataille de responsabilité. Son bataille chaque grand haïtien conséquent. Son bataille garçon pas campé. Son bataille patriote. Son bataille pour prouver que vous aimez pays. Son bataille haïtien qui aime Haïti pour tout bon. Moi je joins nous-mêmes les haïtiens qui vivent dans la diaspora, nous prouvons encore une fois et que nous c'est des monde qui remet Haïti pour tout bon. Et même choisi pour me camper bon côté nous. Nous pas prontes. Et 1er janvier 2023, même j'aime te faire pour 1er janvier 2022. Nous te dis nous clairement. Nous voulons rentrer dans la bataille. Garçon pas campé. Une bataille de responsabilité. 1er janvier 2022, nous te dis nous. Une bataille de sensibilisation. Une bataille côté que nous voulons motiver chaque grand haïtien. Pour nous montrer que il y a une nécessité pour que nous prenions responsabilité. Non. Pour nous rentrer dans le combat. Pour chaque grand haïtien qu'on est que, faut que nous tenions la caille. Même si nous vivons à l'étranger. Mais l'esprit où il est attaché avec le pays d'Haïti. Cœur où non, il y a en Haïti. Mais justement, pour toutes les raisons, nous te disons, nous avons marché devant porte chaque grand haïtien, nous allons faire une campagne de porte à porte à travers les médias en ligne pour que nous motiver ici, nous sensibiliser pour nous mettre tête nous ensemble pour nous garder comment, pour nous créer des conditions pour nous débarrasser de pays, de colonnes gang qui prennent pays en otage. Mais effectivement, la campagne ça nous fait pendant toute l'année 2022, et justement, l'hypothèse fuit. Et bien, 1er janvier 2023, nous campons sur l'autre stratégie de combat. Qui ça que me dit? Moi, je dis 1er janvier 2023, Haïtien, bataille sa gela, son bataille, garçon pas campé. Si ou pe mourir, ou pas besoin d'entrer là-dedans. Si ou pe marron, ou pas besoin d'entrer là-dedans. Si ou pe yo, dit tout bagay mal de ou nanon, eh bien justement, pas besoin d'entrer là-dedans. Moi, je dis ça clairement. Bataille que nous entrer là-dedans pour 2023, ligue mourir, ligue marron, ligue prison. Parce que, assassin yo, c'est yo qui pouvoir, pour nous mettre yo à terre, faut que yo mourir là-dedans. Faut que yo pape mourir. Et faut que yo pape tout yo tout. Parce que, c'est des criminels nous toi qui yo yé. C'est des gens qui finent tuer yo président de la République. En fonction, pour yo prendre pouvoir. Le yo prend pouvoir ça, ou pense yo pral baroul en douceur, et mais justement, de pape mourir, ou pape capable de pouvoir. Et c'est seul monde qui pape mourir yo. Je sais chen nan pour nous te kage liberté. Je dis à nous exactement 5 janvier 2023. Ça fait un soi-disant homme d'affaires, un kidnappeur, un terroriste, un criminel, un assassin président Jovenel Moïse, un régional d'Aboulos. Ça fait 18 mois depuis qu'il quitte le pays d'Haïti. Nous sommes capables de comprendre ça? 18 mois depuis que Régional Aboulos quitte le pays d'Haïti. 18 mois après Païsien. 18 mois depuis que Régional Aboulos quitte le pays d'Haïti. Il quitte le pays d'Haïti 2 jours. Avant que l'Ivo et Touye, premier citoyen nation, chef suprême nation, qui est président Jovenel Moïse. 58e président d'Haïti. Ça, il rentre dans l'histoire, nous ne pouvons jamais oublier. Et je dis Reginald Boulos. Garçon, quand il y a la Simba Tropé, il a supposé 65 ans. Ou Touye, président Jovenel Moïse, a 53 ans. Boulos, ou une petite fille, ou une petite garçon. Mais je dis ça, honnêtement. Ton écrasé n'a payé crime ça que nous faisons. Sous quelque soit forme n'a payé crime ça que nous faisons. Nous faisons ça que nous voulons. N'a payé pour crime ça. Parce que nous méchants à l'extrême, nous sommes des criminels à l'extrême, n'a payé pour qualité crime ça que nous faisons. Et je dis à la nation, doit prendre responsabilité face à nous-mêmes comme des criminels nous trois. Comme des assassins. Comme des migrants qui viennent dans le pays. Nous te recevons comme moun. Je dis, ils ont décidé pour ces haïtiens pour tout. Même si je veux tout le monde dans le pays. Même si vous avez mis des bombes atomiques en de maman, en de petite, yo, en de soeur, en de frère, en de français, pour aller exploser l'autre pays, pour aller exploser l'autre monde qui est contre avec vous, je dis à vous dans le pays d'Haïti, vous faites le même mouvement terroriste. Si c'est le bombe atomique seulement, vous pas utilisé pour bombarder les peuples haïtiens. Mais nous voyons que vous entrez des âmes dans le pays, pour fusiller les haïtiens, sans camper, vous tuez le président, vous avez mis des boules de figure, vous avez tout ça que vous vivez là. Vous n'avez pas fait pour intérêt personnel. Parce que vous avez un vote, vous avez un moment de bœuf là, vous avez soucié. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes millionnaire dans la vie pour que vous êtes pauvre. Le mal propre que vous avez dans le pays, vous foutez riche sur le peuple. Et puis vous campez, c'est la chose pour vous détruire. Moi-même, je dis, chaque grand haïtien, c'est capteur de la vie. Le pays a gagné l'argent pour chaque grand haïtien, il faut vivre bien là-dedans. Je ne dis pas pour le millionnaire. Mais le pays a gagné l'argent pour chaque grand haïtien, vivre bien. Manger pas supposé luxe pour le peuple haïtien, jamais. Parce que le pays nous a gagné assez de ressources
pour que chaque Haïtien soit capable de vivre normalement là-dedans. Tenez bien, nous 5 janvier 2023, 18 mois depuis Boulos quitté le pays d'Haïti, 2 jours avant le tour du président Jovenel Moïse. Peuple haïtien, nous ne pouvons pas le causer. Et entre-temps, nous avons l'autre point que nous allons aborder ensemble avant dans cadre de mission ça. C'est exactement hier soir, qui était exactement 4 janvier, hein, Ariel Henry organisé là pour le bail équipe conseil transition, haute transition, hein, yon coup dans dos. Mais en pile là-dedans, c'est des vicieux. Malheureusement, nous jeunes Madame Aniga Kalba ont légitimité quelque part. Ariel Henry décide pour que, à ça, on te signe dans l'accord, Ariel retire plusieurs points là-dedans. En même temps, il décide pour que, il publie ça que le vle dans le journal Le Moniteur. C'est l'équipe André Michel qui organise ça ensemble avec, parce que il décide pour faire coquin pour Québec pouvoir, comme si nous avons pouvoir qui va vivre. Parce qu'on connaît que n'y a pas de possibilité pour eux. Et lui, à travers des élections, on tire en tant qu'André Michel, on tire sans salle contre Michel, on tire avec comme ça. Ça n'a jamais capable même avec le pays encore. Ça veut dire qu'il faut que Québec pouvoir, pour capable voler la quantité d'argent que vous voulez. Mais le pays a l'a délivré. 5 janvier 2023, peuple haïtien, je dis nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, Jacques, nous connaissons. C'est toujours un plaisir pour moi pour que nous sommes avec nous. Et ça a vraiment fait du bien. À chaque fois que je me connais, je viens partager un moment ensemble avec nous. Et que je me connais, nous allons réagir exactement à travers les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons. Eh bien oui, tout ça que nous comprenons. De ça qui dit, dans l'Académie de Panouan, pardon, qui passe sur la plateforme Panouan, qui est la plateforme YouTube, Info, Bertoa, qui est la plateforme Paulan qui va attendre nous, qui va regarder nous là. Quelle que soit la plateforme qui va attendre nous, on connaît que vous avez intérêt à le monter sur YouTube là ou taper Info Berton. Mais justement, vous avez un camarade ça, c'est vidéo qui parle à vous là, qui c'est Berton, Negandeyo, pour la vie, comment ça me dit là, Negmon, tout le temps, et qui choisit pour faire qualité de bataille, ça va côté chaque de nous qui a une volonté pour qu'il y ait une goumen pour nous retirer Haïti dans sa que nouvelle là. Et je dis à peuple haïtien, nous recampons sur deux pieds encore pour que nous unissions tête nous dans la bataille pour une chaîne de délivrance pays, mais c'est à travers exactement le dossier qui est pour avec assassinat pour le président de la nation, qui est le président Jovenel Moïse. Son j'aime te dire ça clairement. Délivrance pays d'Haïti, après régime de sanctions, ça y est, que les États-Unis d'Amérique, le Canada a bail avec des hommes d'affaires et des politiciens dans le pays d'Haïti. Si nous-mêmes, Haïtiens, nous prenons sanction dans la dimension, nous dit effectivement, même si les États-Unis d'Amérique ont joué avec monsieur, mais nous prenons très au sérieux. Pendant que les États-Unis d'Amérique ont sanctionné les sous papier, nous n'avons pas d'action concrète qui posait comme si nous avons dû mettre le code dans le bras. Et bien nous-mêmes, nous filons les manchettes. Nous disons depuis que nous avons sanctionné. Nèg sa ou pa dwe gen aksè pou yo kanpe nan peyi sa, pou yo fè politik nan peyi sa, du tout. Yo pa de ni nan pouvoi, yo pa de pale nan politik, du tout. Se silence absolu. Et puis nous mande presse pou la justice fout kòd nan bra. Chak gren nan nèg sa yo pou mette yon kote pou kalite krim ki yo koumèt. Map di yon gren bagay. Blanc sanctionné Sherif Abdallah paske l djou. Sherif Abdallah nan kidnapping, kidnapping nan peyi d'Ayiti ya, l'ajan sa la brase, an dedan bòk se Sherif Abdallah ki se la soje bank. Qui sont aptes? En l'air blanc du consacré, mettre sur Jean Maclan, les n'ont financé gang, les n'ont kidnapping, et pour quitter Sherif Abdallah, toujours garder les yeux, ou vivre avec elle, ou tolérer là. Blanc du clairement, en Daki, Sherif Abdallah n'a tout représenté dans le pays là, parce que Sherif Abdallah, c'est un contrat qui c'est Novum, coûte à gaz, qui t'a fait 42 millions de dollars américains, je venais me découper. Blanc du quelque part, sous capable de comprendre, mais c'est dans tout représenté dans le pays là. Blanc du que, monsieur était un contrat hélicoptère avec le palais national et la primature. Contrat ça, monsieur a ploué l'État haïtien. Alors, inner. Gabon Ultra. Gabon Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sort dans le laboratoire. Il est là pour combattre ça et les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas qu'un petit tout. Il y a 15 capsules là-dedans. Les fêtes pour prendre yon capsule 30 minutes avant al fè bagay. Yon elè sa, yon dynamogène action rapide. Pas oublier que li remplace 3 produits Gabon yon, parce que li pi puissant. Ça veut dire que Blanc Djou consacre, Sherif Abdallah te gon contrat, hélicoptère, avec Palais national et la primature. Contre ça,
li te coûte l'état haïtien environ 26 000 $ américains par heure. Elle compte 36 000 $américains par heure. Et contre ça, minimum, c'est pour un mois qu'elle a fait. C'est pour un mois contre ça qu'elle a fait. Vous voulez nous comprendre ça? Je venais moi te couper ça. Ça veut dire deux bagailles, deux contentieux. Troisième bagaille, chez Fabdella, non, ça nous capable brûler. Exactement. Et banque, secteur bancaire dans le pays. Dans le pays. Ça veut dire qu'il y a une banque, il y a une Société Banque. Société Banque a fait spéculation en dollars. La montée de dollars. La fait goutte de tourner sur les bourriques pour capable faire comme si pour le prendre, c'est tout petit de la gueule dans le pays. Chérif Abdallah, lorsqu'on fait à l'étranger qui vaut 2 000 $américains pour vous, pour payer au cas pour 1 500 $américains dans le pays. Mais justement, les gens disent que vous n'avez pas de dollars. C'est goutte de baou. Vous avez cherché, vous avez aussi un dollar. Lorsqu'on décide pour aller prendre la banque, vous avez dit que c'est goutte de baou. Ça sont 10, ça sont crimes contre l'humanité. Ça y est. C'est seul dans le pays d'Haïti. Mon Dieu, respecte comme ça qu'a fait. Et puis l'État pas cadré parce que c'est l'État. Le ou nos pays, c'est des civils qui l'État. Ou voter dirigeant, mais on est le plus chef que dirigeant. L'or ici, je n'ai pas président qui pour camper, qui pour mettre l'ordre dans les zones. On est le camper dans le boule figo comme peuple qui te vote président ça. Il a assassiné. Et moi, je vais vous dire pour dire tout. Moi, je comprends la situation. Hein? C'est la dernière fois pour que M. Sayo tout le président de le pays. C'est la dernière fois pour que M. Sayo tout le président de le pays. Moi-même, en tant que haïtien, en tant que nègre qui voit que dans quel niveau et que nègre crabiné yon président de la République qui sont les gardiens même j'avais même qu'on a prend temps m'a prend ensemble pour m'attendre président Jovenel Moïse qui on a parlé des routes côte de fer aux ensapites par il a parlé de département sud-est là et route ensapite pour river fond parisien c'est côté qui pas gain route dans pays à département sud-est là le président Jovenel Moïse dit comme ça que avant l'aller il t'a souhaité que pour ministre Nader même c'est alors pour contrat qui est signé même son kilomètre dans route ça yo qui t'a dû commencer devant avant que l'aller ça t'es fait toute chair de tu fais chair de poule lever sous comme t'es fait toute poil sous comme camper qui ça fait ça parce que moi c'est pour la première fois un président de la République capable citer que son bagaille route dans le département sud-est là comme ça pendant ce temps nous avons Lambert qui est sénateur à plusieurs reprises qui colle équipe qui conseiller président qui zoye président mais qui va jamais défendre route côte de fer aux sapites. Parce que s'il n'est pas éclairé pour ça, son petit vicieux qui l'a cap défendre intérêt la bourgeoisie. Cap bloquer parlement, cap bloquer président pour le défendre intérêt un petit groupe bourgeois gang dans pas de Brest-Lan. Comme si les jeunes de Moïse viennent pour le faire ça, ils choisissent pour collaborer avec nous-mêmes politiciens, yo, mais ils campent, ils campent en face. Ils n'ont pas fait référendum quelque part, ils n'ont pas attendu avec tous les politiciens. Pour nous garder comment nous sommes capables de contrôler le pays, nous, pour nous retirer le pouvoir politique là, en bas griffe, ils collent une gang qui sont des Syriens, Libanais, Palestiniens. Mais ils décident, ils disent non, ils ne vont pas prendre Jovenel Chevis ça, ils ne vont pas trahir patron, ils ne vont pas trahir boss. Mais ils décident pour tout Jovenel Moïse pour patron. Pas de problème, je dis là, papa ici m'a dit nos grandes bagailles. Chaque côté nous croise politicien ça yo. Qui t'a boulé pays, qui t'a gangsterisé pays. Pour les gars ça yo, nous de foutre manchette sur tout vivant. Pour s'habiter. Si nous là, si nous quittons la vabou journée. Boulos, 18 mois, depuis qu'il était pays d'Haïti, le 5, alors il quitte pays d'Haïti le 5 juillet 2021. Jeudi à nous 5 janvier 2023. Mais ça fait exactement 18 mois depuis que Regina Boulos quitte le pays d'Haïti parce qu'elle quitte le pays d'Haïti deux jours avant de voir tout le président pays. On a parlé de Regina Boulos là maintenant. Peuple haïtien. Regina Boulos campé dans le pays comme seul maître pays. Jovenel Moïse monté comme président de la République. T'as qu'on appelle d'offre qui fait. Nous connaissons que ça autour contre le ministre finance. Quelque part, yo gon jan yo manigancé appel d'offre là, mais c'est Boulos qui bénéficie appel d'offre là avec un autre compagnie. Appel d'offre ça pour de faire qui ça? Jovenel Moïse était besoin mettre stratégie caravane dans camper sous pied. Caravane pour faire qui ça? Caravane c'était pour au moins créer un moyen pour suspendre ba une série de vieux contrats avec une série de voyous groupe gang dans le secteur privé qui c'est la famille Vob. Jovenel Moïse dit tête libre que stratégie ça l'a acheté matériel pour équiper CNE pour équiper effectivement TPTC pour que l'état capable de gagner des matériels à la disposition lorsqu'elle besoin pour travail pour l'état pas besoin à contacter ton compagnie. Jovenel Moïse pas de problème boulot content boulot bénéfice contrat. Contrat ça t'est venu environ 123 à 100 ou bien 153 millions de dollars américains. Premier gros contrat qui sortit dans l'État sous la présidence de Jovenel Moïse.
Boulos, peut-être pas seulement, il bénéficie plus gros parti dans le contrat qui c'est 93 millions de dollars américains. Tenez bien, 93 millions de dollars américains. Boulos décide pour que li bail matériel pour 53 millions de dollars américains. Seulement, matériel, nous avons gardé pour nous. Jovenel Moïse gardé l'oué, et que Boulos sont aussi des matériels, rebuild, ça veut dire que matériel yo réparé et peinturé. Boulos a acheté et puis vin pote bay l'État. Pour paquet l'argent. Eh bien, Jovenel Moïse dit, monsieur, faut que tu aies un matériel qui doit être pote yo. Reste matériel, yon besoin matériel neuf kounya. Boulos pète coquin. Rete, évidemment, 40 millions de dollars américains dans mes Boulos. Eh bien, peuple haïtien, Boulos dit clairement, li pa bay ni matériel, ni l'argent. Jovenel Moïse dit, garçon, tire ça pour peuple là, c'est l'argent besoin. Boulos te dit, mais maoué ça. Eh bien, depuis le ça, Boulos te clairement, et que lui-même lui rentre dans l'opposition, li pa supporte Jovenel Moïse encore. Mais raison. Pas de jambe de gagner de pays qui l'a pris. C'était l'argent. Ça comme dit nous, ou est volo sans gouin ça yo, sans que ça yo, ton est boule, mon peuple haïtien. Si nous pas foutre éradiquer très trace nexon dans le pays, Haïti pas j'en galon chance. Ou est galon souffle nous? Parce que nexon a un seul esprit. Esprit de faire l'argent, pas n'importe qui moyen. Tout y a ici pas minaye. Disparaître haïtien pas minaye. Mais c'est faire l'argent pas n'importe qui moyen. Et même dit, seule possibilité pour Haïti capable de respirer. C'est créer tout moyen pour nous garder comment pour ne pas jamais gagner existence de la famille Vob dans le pays d'Haïti. Existence de la famille Boulos dans le pays d'Haïti. Depuis nous gagner, nous garantissons. Yo tellement négatif. Yo c'est des virus. Même respirer dans l'air là, yo polluer l'air là. Parce que c'est des sentis forts. C'est des sans baigner, des sans cœur, des criminels d'autre. Depuis nous quitter là, nous avons toujours des criminels à sa patte dans le pays. Nous ne pas quitter là. On avance. Regina Boulos, ti volo sans sale. Ti pauvre qui vit dans le pays en tant que millionnaire. Aïe, monsieur. Boulos, organise li. Depuis qu'il était dans l'opposition, et bien, il tourne li, reste avec lui. Premier monde, il fait appel ensemble avec lui, il fait appel avec Yuri. Et bien, ça qui passe, le Boulos, quand il est dans le pays, il a pas de problème, il a pas de problème. Et puis, directeur Lona, le président Jovenel Moïse pour le faire président pour le dire président et que vous savez de gros cop gros prenant que fait dans l'honneur président mais n'a pas voulu payer non ou même en tant que président de la République comme garant board marche institution yo mais faut qu'on a créé un moyen pour faire organe de contrôle yo bois à Melona qui c'est ULCC ta va mener une enquête et puis pour questionner nexa pour demander nexa qui raison fait que yo pas voulu payer et mais effectivement Jovenel Moïse comme président de la République, comme garant bonne marche institution, il relé directeur ULCC pour dire directeur ULCC, almen une enquête au niveau et l'ONA pour moi, pour regarder qui est-ce qui fait toute qualité de gros presse, qui va le payer. Évidemment, il y a eu la tortue. Il y a eu un évité Regina Boulos. Il n'y a pas que l'autre encore. Mais il y a eu ce Boulos, pas Boulos avec Payouria qui est plus grave. Eh bien, directeur ULCC a décidé pour que le temps de Boulos avec tout, il y a eu la tortue. Les amis, songez. Presse a été faite sous privé en 2016. Presse a été faite sous privé, juste un privé. Tenez bien. Nagyo pas voulu aller répondre à une question ULCC. En première invitation, deuxième invitation, troisième, et puis on lance le mandat d'amener des Regina Boulos. Boulos était dans une réunion avec l'équipe SDPA dans l'hôtel El Rancho Pepahisien. Tout ça m'a dit nous là. Si la justice t'a pas mené enquête, il y a une vidéo ça yo existé parce que Boulos pas qu'a dit les vidéos ça yo même après 5 ans. Parce que les vidéos ça yo là jusqu'à maintenant, yo doué là. La justice c'est franchement monsieur, ça quoi mal propre juste ça au gamba, bon rayon ça yo. Nous doué retirer dans système non. Ça pas gagne pays nous mettre là. C'est dans le pays. Mais tu as réfléchi 10 000 fois avant que le tour au président. On comment juste a commencer pour préparer un mandat contre le président de la République comme si n'a menti. Ou t'as connaissé capitaine nous pas t'a fait. En avance. Et mais justement, compatriote moyo, Regina Boulos dit que li pa pral répondre question ULCC et Jovenel Moïse comme petit vagabond comme négandé comme petit tête zo qui te vinn nan Petionville là qui pensait que il c'est chef d'état qui connaît que il c'est chef passé nous.
boulot cementé sous ville devant équipe SDPA. Et m'a dit ça honnêtement. Réunion ça fait bon piscine l'hôtel El Rancho avec les SDPA, yo rite là. Et comment elle est? Et André Michel t'es là. Nèg la valas là, Chila Ludo t'es là. On paquet l'autre nèg dans l'opposition là. Comment elle est? Nèg ancien député à Carré. Cabaret comme ça, monsieur Lavalas, monsieur t'es là tout. On paquet l'autre avec t'es là. Boulot cementé. Il tourne crasel. Seul moyen pour ta répondre à une question de l'ULCC, c'est le Jovenel Moïse pas existe encore. Monsieur Pap, jamais fait ça encore. Parce qu'elle dit, si ben monsieur possibilité ça, Pap gonne dans le secteur privé, Pap jamais capable de camper là. Et puis le tour est l'équipe qui est dans le secteur privé, n'est-ce pas débarquer dans l'hôtel El Rancho, green par green, dans la réunion. N'est-ce pas chita là, n'est-ce pas dit, monsieur arrogant pile, monsieur fronti fréquent, monsieur. Et faut que nous fassions monsieur payer fréquent. Nego dit, j'aime moi monsieur pour aller là. Si nous pas font façon, stopper monsieur, et bien nous-mêmes, qui dans le secteur privé, nous pas capable de faire business et nous pas même carré dans le pays. Parce que pouvoir monsieur sentir le vingé là dans le boudal, si nous pas mettre un frein dans monsieur, et bien nous-mêmes nous pas capable de faire dans le pays. Première chose que Nego dit. Nego dit, nous avons monsieur une folie pour la paille d'élection. Quelle élection? Il va même collaborer avec nous pour demander de nous prendre vie nous. Pour demander nous qui est-ce que nous sommes capables de bali comme candidat au Sénat, comme candidat à la députation, qui est-ce que nous prévoit gagner comme nouveau candidat à la présidence, et monsieur qui fait l'élection. Nous avons dit ça, nous bloqué monsieur là. Nous avons dit que nous avons commencé à rendre monsieur la vie impossible dans le pays. Nous avons fait monsieur pas qu'à diriger le pays. Pour nous avons dit que nous avons pris l'investissement de l'argent dans la rue. Nous avons dit Yuri, au Sénégal, la Tibonite, ou gros département dans le monde, ou gros contrôle département de la Tibonite, assumez responsabilité. Nous avons dit que nous ou gen kontrol département ni plan, assumer responsabilité ou. Yo di chaque grand nèg ki nan l'ouest yo, assumer responsabilité nou, l'autre nèg et comment relé ancien nèg la valasa et nèg moi dans maintenant oui. Et ancien sénateur ay ay ay, comment relé monsieur encore et l'ang nèg la valasa qu'on a marché de parler gars hier oui. Et n'a pas songé nous tout à l'heure. Yo relé monsieur dit monsieur comme ça que assumer responsabilité dans département pour là. Yo relé moi Jean-Charles, yo dit moi Jean-Charles contrôler département nord là. Et puis yon dit, et vous l'autre négocié le Okaï, yon dit nèg la, assumez responsabilité dans Okaï. Yon l'autre nèg la, et Jérémy, yon dit assumez responsabilité dans Jérémy. Et puis yon relé, yon groupe nèg, dans le plateau central, yon dit monsieur, assumez responsabilité nous. N'a pas foutu fermer pays à sous monsieur net. N'a pas pris monsieur, n'a pas pris pisser comme si nous pas qu'à diriger pays à. Et puis pour monsieur, pour moi, si monsieur, c'est pas avec nous la Vinchita. Et effectivement, nèg yon commence à craser pays à. Chaque côté yo croisé matériel que Jovenel Moïse te commande yo, yo fout du fait là-dedans yo. Jovenel Moïse vin trouver comme si Mdadjou, li vin pas qu'à diriger. Et là ça Jovenel Moïse te fait déclaration pour te dire que au niveau le vin rivé, li trouver dans situation côté que li pas jamais dormi en nuit. L'après on serait de gros taureau pour demander monsieur ban mon ti la paix dans pays a. Nego te rend président vulnérable. Et pendant ça pour fête là Yoshita, yo relo série de journalistes. Yo relo maman sangou, maman kovle, maman senti dit ça. Gamou comme un canaille ça. Yo Liliane Pepol là. Yo Liliane Pepol, Liliane prend responsabilité, je venais pas gnou à l'aise dans pays là. Yo relo Jean Mona Kovle, senti dit ça, contage ça. Yo relo monsieur dit monsieur, assume son habitat, je venais pas gnou à l'aise dans pays là. Yo relo Morin, Ronnie Colin, yo dit radio télé Zénith, prend responsabilité, nous pas foutre pourri pays là monsieur, n'a pas si monsieur qui dirige pays ça sans nous même. Et puis yo relo chaque grand nèg, reste avec eux gnou micro yo. Je dis, monsieur, prenez responsabilité. Non. Effectivement, vous pouvez commencer à faire Jovenel une campagne de dénigrement, assassinat de caractère. Pour dire Jovenel Moïse, son vol. Oui, non le cite dans le rapport, non rapport Petro-Caribé, 69 fois, menti. Yo dit Jovenel Moïse, t'es qu'un coup pas été volé l'argent, menti. Yo dit Jovenel Moïse, fait massacre, menti. Yo dit Jovenel Moïse, tout le paquet de monde, menti. Yo dit Jovenel Moïse, des amis dans le drogue, menti. Qu'est-ce qu'a fait ça pour vous, journaliste traditionnel? Font pas quatre émissions. Radio a fonctionné 24 sur 24. Radio Télézénine pas chauffé même, pas chômé même pour une seconde. A frappé Jovenel Moïse pour y rendre président vulnérable. Peuple haïtien, ça m'a dit nous là, c'est de bagage chaque grand haïtien qu'on est. Yo campé. Y a pas assassiné caractère président. Yo dit toute qualité malpropre sous président, toute qualité vieux bagage et puis politicien yo campé. Y a crasé pays là. Yo la tonti crasé la Tibonite. Le Jovenel Moïse allait pour réparer centrale électrique dans la Gonaïve. Il y a eu campé avec bandit Raboto pour la faire tirer
sous président pour la faire craser la Tibonite, craser Gonaïve. Gonaïve vient sali pour lui sentir. Gonaïve qui était courant, il fait craser centrale là, pas gain courant. Pour le cas font bataille politique en faveur les oligarques corrompus dans Pétionville là. Moun la Tibonite campé a garder timal propre ça toujours, sous moun là qui relayou là tantôt. Pour capable ranger les vulnérables, yo craser la Tibonite net. N'a pas avancé. Et bien justement peuple haïtien, nèg yo dit monsieur commencer reler dans téléphone. Parce que Jovenel Moïse, pour aller dans le palais national, il a traversé n'importe 50 passes du fait pour lui venir dans le palais. Jovenel Moïse sentit que les paysans sont ingouvernables pour lui. Et mais qui s'est passé? Premier, ça Jovenel Moïse fait, comme président de la République, il fait appel, effectivement, avec les l'opposition. Il commence à parler avec le conseil des nègres de l'opposition. Je fais nous entendre ça, parce que moi-même, je parle avec des preuves à l'appui, parce que nous, c'est Infobeto, nous condamnons pour que nous parlions la vérité, parce que nous, c'est. Jeunes qui battent dans les médias en ligne, nous condamnons pour que nous parlions la vérité. Nous prenons le temps effectivement déclaration et valer beau plan. Dans le moment que nous parlons avec nous, attendez bien. Dans le pays local, Jovenel Moïse est dans le téléphone. Il dit bon, sinon que m'habituer dans l'ordre, c'est bon. Moi, avant de arriver là, ou c'est dans l'ordre, c'est pareil. Mais faire certains négociants font participer dans le fermé pour voir la même. Ou t'es besoin de mettre ma genou, C'est au cas par la négociation pour le faire. Quelle humilité. Je me dis, monsieur, ça me fait président. Monsieur, je suis prêt pour me battre 95% au pouvoir. Mais pas la knègue pour moi. La petite histoire devient la grande histoire sur le plateau. Bon, pas la knègue pour moi. Ils me font 30 à 40 secondes pour parler. Monsieur dit, où est le téléphone? Je me dis, président. Je dis, président, je vais le faire un bagage. Comme je me dis là. N'est-ce pas croire que moi, je vais le faire parler ça, sur la question ça. Ma fond, on l'appelle. Je m'invite tous les amis. Venez là, moi. Nous chita ensemble. Je me dis, monsieur, je m'a obligé de mettre le président sur le speakerphone pour me faire reprendre le message. Mais ça, qu'est-ce qui était là? Non, l'invité, où qu'on est. Depuis, je me dis, où qu'on est les gratteurs de l'opposition. Tout n'est capable de le président Jovenel. Et, mon plume, avec papier dans mes nègres, il a mis des questions pour me poser. Et tout n'est capable de. Quelles questions t'es posées? Je me dis, président, tout n'est dit, c'est ma toy. Qui garantit-moi que si au moins nous rétractons, si au moins nous obtempérons, qui va marcher dans le chic là. Qui ça, président, répond? Monsieur dit, je veux jouer à l'avocat. Nous sommes du même côté. Je ne peux pas croiser avec l'opposition, mais je croise à vous. Je peux croiser dans notre ouest. Fais ça pour moi. Et il t'entraîne dans le pitié. Et il dit, monsieur, nous avons deux choix. Si nous pas accepter marcher, monsieur Kavin violent qu'on a. Parce que monsieur, tant que son couleuvre qui est dans tout lit, et il a besoin de sortir, nous n'avons pas de chance pour sortir. Et il me dit, monsieur, mais qui garde ce gain puisque c'est l'international qui a soumis? Monsieur dit, où mettre pas la tête, aucun contact. Où est-ce que ça a passé? Dernier appel de Jovenel. Monsieur vient de retourner. 10 minutes après, je viens parler avec l'international. Et tu as eu le président au téléphone? Je dis, bien sûr. Je viens toujours de lui parler au téléphone. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je dis, mais ça le dit. Ok, nous derrière ça le tout là. Moi, il dit l'opposition encore. Dès que je dis, c'était l'ambassadeur qui est là. Moi, je démissionne au nom de qui est-ce qu'il a parlé? Moi, je suis encore dit la parole au nom de toute mission diplomatique. Pause. La plus importante. Sénateur, pause. C'est-à-dire le président Jovenel était prêt. Prêt. C'est-à-dire le c'est problème. Pas bagaille, le problème. Le problème. Pas envie, pas mal entendu, mais il était prêt. On est là pour parler la vérité. Il était prêt. Le problème n'était jamais le président Jovenel Moïse, mais l'opposition. Il était prêt. Non, sénateur. M'a dit son vérité. Le problème était l'opposition. Le problème était l'opposition. Pas 40 années. Yo, madame, pour moi, ambassadeur, yo pensé qui à la base du problème là. Séance de notre moi, l'ambassadeur, moi, les sections politiques là. Il me dit, moi je vais rencontrer tel ambassadeur. Il dit, moi, sénateur, c'est difficile, nous avons une urgence. Il y aurait l'ambassadeur, mettez le soleil là. L'ambassadeur, il va lire. C'est comme ça. L'ambassadeur, il va lire. Dis-moi. Il dit, voilà, nous avons une urgence pour que moi rencontre. Il dit, il va lire, viens chez moi, vendredi. Et l'opposition, vous cherchez quoi alors? C'est ça le problème. Moi. Et je dis, c'est un problème que moi, je viens de guerre avec l'opposition. Et ni moi, ni Kélibassien. Une autre petite question que je me posée. Il dit que le président Jovenel a accepté pour le bas ou même, ou bien sénateur qui est Bastien. Ça, c'est dans des moments où je parle de l'époque. Le premier ministre. Ambassadeur. Pour qui je finis ça en second. Ambassadeur a invité à la Cadivan aujourd'hui. Il dit je finis seul. Parce que je suis un gars diplomatique, je ne voulais pas l'avoir. Je n'ai pas autant d'il. Il est arrivé, nous chitons dans le palais. Question de culture diplomatique. Bien sûr, il dit Evalia, laisse-moi te dire. Est-ce qu'on connaît en pile dans notre élection? Bon, oui. C'est l'élection ça qui a accouché Jovenel, oui. Est-ce que vous pensez nous-mêmes encore qu'à dire même élection ça n'a pas bon, je fais pas bon? Je dis non, pas quoi. Il dit mais maintenant, bye, tout le monde n'a pas pu sortir. Accepter, dit la Jovenel, et que l'international a sorti honorablement,
ou a sorti honorablement, et puis Jovenel a sorti. Il dit, m'a pas grand sur ça. Il dit, prends téléphone, elle faut yoclo avec un collègue. Je fais yoclo à téléphone, il n'y a pas marché. Il dit, si que ou accepté marché, m'a fait Jovenel venir là, qu'on y a, pour même avec Jovenel au nom de l'opposition. Ce qui m'a pas habilité à faire. C'est-à-dire, restez dans l'opposition, hein? Pas d'accord pour faire ça. Non, j'étais, monsieur, monsieur a tombé quand même. C'est ton illusion, monsieur a tombé quand même. Nous mettons continuer à peser, monsieur a tombé quand même. Mais donc, nous passons 3 mois à payer l'autre comme ça. Nous, on est là. Et puis, il y a finalement, en 2019, après un pile d'échecs, que chaque fois que je fais ça en réalité, je ne vais pas avoir des résultats. Parce que je suis monté au Congrès américain, dans le Sénat américain, de tous côtés, je parlais, je portais mes messages, dans toute ambassade, je portais mes messages. Ils ont toujours dit, il faut me jouer en tête. Il faut me rentrer dans un dialogue. Il n'y a pas qu'à aller comme président pour mettre nous comme civil. Maintenant, finalement, je ne suis pas capable. 2019, en décembre, je m'invite toute opposition à la Cameroun. C'est énorme. Je m'invite toute opposition tout pour me connaître. Diopod, non, pas Diopod. Mais ça, je suis dans la SDP. C'est que démocratique et populaire. Les plus importants, les dirigeants, je dis, monsieur, je dis non. Nous avons fait route ensemble. Nous sommes les trois facettes. Nous avons fait cette diplomatique. Je suspecte que nous avons fait échouer sur le terrain diplomatique. Nous avons fait cette politique. Je viens de croire que je suis presque échoué sur lui. Je suis au grain de bagaille que je suis avec nous, face à être militant. Si je abandonne la bataille, je suis prêt. Je suis prêt dans la route avec nous pour me faire preuve de fidélité, même quand je suis perdu. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu fais silence? Bien sûr, je dis que je suis perdu parce que ça n'a fait là, il n'y a pas aucun livre de sens politique. Bon, posons une question, sénateur Evalé Aboplan. Et vous-même, qui s'est cherché? Vous pensez peut-être son illusion, d'où ça déjà? Je ne sais pas méchant, il pense que Jovenel a tombé. Capitulation totale là. C'est que Jovenel a tombé. Moi, en dans mon diplomatique, je ne sais pas côté Jovenel a tombé. Bon, me pose une question directe en roi, et maintenant que Jovenel a tombé, il est encore dans la rue. C'est ça, voilà. Ça fait ouais, c'était illusion. Il ne pas même parler pour nous absorber le choc que ça a fait. Pas même tombé, assassiné. Assassiné. C'est que nous ne pas parler. La preuve, on est bien grande, la société a assisté nous. C'est qu'on est en pile, on a dit, bon, pour t'es raison, qu'elle était raison, tout le monde a raison. Il est trop tard. Quand on parlait du sénateur Kélé Bastien, il était sur le plateau, c'est la première question que je m'étais posée. Il était dit, monsieur, nous ne pas rentrer dans le palais pour le président Jovenel, même si l'État n'est pas mort, nous ne pas rentrer dans le palais. On s'est fort que nous sommes avec le président pour nous discuter. Personne n'a pas de temps de raison et on était même mettez-le dans cette situation. C'est ça qui était Kélé dans le problème. Mal défendu, moi, je dis encore, mais ça Kélé voulait expliquer. Il n'a pas attendu. Et c'est en solidarité, c'est dans le bail Kélé solidarité qui fait moi-même dehors. Mais vous mettez nous dehors? Non, il n'a pas mis dehors. Il était voulu quand même. Même dit, pas de bon plan sans Kélé Bastien. Kélé pape dehors, Chile dehors, Malès dehors pour Beauplan dedans. Nous tout à pendant. Si c'est Beauplan seulement pour qu'il y ait un dame dehors tout. Et c'est solidarité ça, solidarité ça. Mais bah, Kélé Bastien qui mène dehors. Parce que Kélé vient au bête noir. Pour même Kélé dit le pouvoir. Et pourtant, c'est en logique. Je veux dire, tout le monde a envie de ça. C'était Valier Beauplan. Et maintenant, mais qui est ce destin, on peut piller. Mais qui est-ce qui est destin aux nations? Mais qui est-ce qui est leadership au pays? Mais qui est-ce qui a dirigé le pays ou peuple haïtien? Mais qui est-ce qui a dirigé le pays ou? On sait des gens qui ne sont pas responsables. On sait des gens qui ne comprennent rien dans rien. On sait des ravettes comme si, qui prennent la délanté. Qui prennent le fait noir, dans le trou, dans l'abîme. Non. Mais ça qui est destin au peuple. Vous tuez le président pour ça seulement. Le président Jovenel Moïse, vous avez une justice ou quand même? Parce que ça ne va pas prêter comme ça. Nous prenons le temps de déclaration de Jovenel Moïse. L'œil t'a prêché, M. Sayo, pour que l'utilité de nous entendre ensemble avec vous. En tant que président, ça est important. Son cloche Sayo, intéressant. Saint-Jean du Sud pour aller à Bakou, route Moun Gap Div Domoyo. Toute route Sayo était dans le programme, nan, mais pays loc, du fait, ville loc a élevé le point du fond un jour, je vais vous dire que je équipement, nous sommes obligés d'enlever, équipement boulé. Dans 160 millions d'équipements, dollars d'équipements achetés, il y a environ 8 millions de dollars d'équipements qui boulaient. Qui boulaient parce que il y a des gens qui ont un goût à clop. Moi-même, je dis nous, ça, chaque monde qui est dans la politique dans le pays, surtout Frère Maxime qui est dans l'opposition, Roche là, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre. Coute Roche, je ne peux pas lever Roche, je vais quitter la terre. Je ne peux pas mourir Roche, je ne peux jamais faire ça. Parce que je connais que cette mafia criminelle d'État, qui montait dans le pays ça pour monter nous yon contre l'autre, qui va nous tuer des salines dans la mafia ça aujourd'hui, moi-même m'en fasse. Et m'en dois même de vous venir en face. Parce que c'est lui-même qui a pêché le pays à gagner courant. C'est lui qui a pêché le gagner route.
C'est lui-même qui a empêché le bloc pour le monde. C'est lui qui a empêché l'école construite dans toute section communale du pays. C'est lui qui a empêché le congrès centre de santé, l'hôpital construit à travers tout le pays. C'est lui qui a empêché le rebrasement fait dans le monde. 77% du pays, c'est le monde. Et pourtant, nous avons déboisé. Nous avons réfléchi, même aujourd'hui, à nous-mêmes, nous faisons. Nous construisons 500 jambes-places dans le pays. Il y a 4 qui inaugurent déjà. Je prends une nouvelle ministre. Environnement dit moi, 100 jamoblas nan noa pare pour inaugurer chaque centre sa yo qui doit produire 4 500 000 pieds bois chaque année. Ça veut dire l'on prend 5, on multiplie par 4,5 millions, li bo 22 500 000 pieds bois qui ka produit pour planter dans le monde. Et moi, je crois mon décret qui prend pour que l'obligation faite à tout le monde qui parle de l'école pour obliger à planter pieds bois. Ça yo, c'est yo pour nous faire. Nous-mêmes qui sommes en politique aujourd'hui, nous connaissons en pile dans nous. Nous peut-être parfois gagner des positions qui sont radicales. Mais m'a dit nous position radicale pour nous, c'est position peuple là. Je dis, est-ce que ça, ce n'est pas le même peuple a besoin? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de méga pépinière, même si ça construit dans ma foi, dans Campéré, dans Fond des Nègres, dans Aubert, dans le Port de Paix, dans Grand Pré, dans le Nord, est-ce que ce n'est pas ça que le peuple a besoin? Même si une route a construit pour sortir ça. Pour sortir de la foule, pour aller dans sa foule, est-ce que ce n'est pas ça que le peuple a besoin? Même j'ai mon chien aujourd'hui, à craser mon bête de haine qui était contre mourir dans mon sa, aujourd'hui, mon chien, lui commence à me connaître dans le bon sens. Là. Ça veut dire mon chien, béton a coulé sur lui pour connecter la commune de bête de haine à la commune de Bombadopolis. Projet que nous avons pour nous connecter les 4 communes du bas nord-ouest. Je voulais parler de Bédouen, Bombadopolis, Mol Saint-Nicolas et Jean-Abel. Route 4 construit Kounia pour nous connecter commune Jean-Abel avec commune Mol Saint-Nicolas en passant par bord de mer de Jean-Abel. Est-ce que ce n'est pas ça que le peuple a besoin? Centrale électrique que nous allons installer dans Saint-Raphaël. Renforcement centrale électrique dans Chevry, dans Fond Liberté, qui pourra le faire, je ne te dis, dans le premier trimestre année ça. Renforcement centrale électrique dans Jacques Mel qui commençait là. Je crois que d'ici week-end ça ou bien week-end prochain, Jacques Mel a passé à 24 heures sur 24. Je voulais parler de commune Jacques Mel, Kaj Jacques Mel et Marigo. Ça yo. Bali, Boloba. Est-ce que ce n'est pas le même pays qui a besoin? Mon Jérémy, qui te connaît les affaires lumière trois fois par année. Les fêtes décembre, les fêtes. Patronal, je vais parler de fête Saint-Louis avec le gros chef Cap de Jérémy. Je dis à Jérémy qui a 18 ans dans le courant par jour. Jérémy pourra le passer à 24 sur 24 parce que mes nouvelles transformateurs arrivent. Vieux caille, je dis à, nous avons pris une décision en décembre 2019, nous avons porté 5,4 MW au caille, nous allons augmenter, nous allons mettre près de 8 MW je crois, au caille pour nous passer au caille. Maniche, Campérin, Torbec, Saint-Jean du Sud, Aniquet, Chantal, Port-Salut, Cavaillon et Saint-Louis du Sud pour nous passer à 24 sur 24. C'est mon rêve lié. C'est réalité. Pour qui ça? C'est parce que son pouvoir que mon peuple qui te m'amène, moi décide de gouma avec mon boum goumé, moi décide pas gouma moun que m'badoué goumé. Ou même qui n'a politique, mais pas qu'à gouma vous, c'est la démocratie nous. C'est droit. C'est droit pour venir pour capable demander des bagages que vous voulez pour le peuple là. Mais ce n'est pas droit pour casser le pays. Ce n'est pas droit pour bouler le pays. C'est droit pour venir camper bon côté pour nous contre l'oligarchie pourrie ça. Bali, Bali. Qui comprennent que Haïti c'est pour eux. C'est droit ça. Et c'est avec eux que je goumé. Je vais goumé contre eux. Parce que nous-mêmes, nous sommes victimes, même j'appelle ça. Ça veut dire, je dis, nous prenons une décision pour nous casser tout ça qui. Côte population, et nous prenons cela nous aller. Personne n'a pas empêcher nous. Parce que le peuple là, c'est lui qui va nous pouvoir. Et le va nous pouvoir pour nous faire. Je répète, chaque monde qui connaît qu'on combat et l'état dans mon, pas quitter ce moi qui viens chercher. Parce que dans la dernière année, je viens chercher le trelet. Potez le bon. Bali, Boloba. Potez le bon parce que le pas pour vous. Le pas pour vous, on met lui. Mettre lui, c'est le peuple haïtien. C'est moun sa yo kap viv nan arrière pays a ki pa gen personne ki pou défendre yo. Moun kap viv nan bòt mèj Jean-Abel yo, moun kap viv nan Grand Gosier yo, moun kap viv nan Belance, nan Benin, nan Kajakmel, moun sa yo, sa isyen yo même j'avec nous.
moun kap viv nan Valier, nan Mont Ben Crochu, moun kap viv nan Kapoti, moun Silvestre, moun Bois de Lawrence yo, moun sa yo, moun akul samedi yo, c'est moun même j'ai avec nous yo, nous pas oublier yo, nous pas gen droit abandonner yo, parce que si nous besoin construire un pays meilleur pour haïtien kap venir, c'est jodi a pour nous commencer. Et pour nous commencer, il faut gen moun ki gen courage ki nan tèt pays a, des moun ki pa vinn persécuter personne, des moun ki vinn persécuter sous développement misère, des moun ki vinn dire que l'on fouille mais dans Diakout Père Éternel ou bien dans Diakout Zaka, c'est pour couper. Parce que Diakout peuple là, l'argent peuple là, c'est pour respecter ça. Ou bien, il doit fouiller mais là-dedans. Et c'est pour ça, je profite de l'occasion pour me dire tout le monde. Ça fait dialogue là, il est permanent. Nous ne pouvons jamais suspendre par la foule, nous, action, nous qui dans l'opposition politique. Et dialogue là, c'est pour le fond. Je dis à nous, pas à nos dialogues de bois. Nos dialogues de sourds, je dirais. C'est pour nous identifier vrai l'ennemi nous. L'ennemi peuple, c'est l'ennemi pao. Pour qu'ils soient campés, pour quitter des mouns qui fait menti depuis 10 ans, qui ont enterré nous, qui tué président, qui exilé président, qui emprisonné président, qui assassiné président, qui léché président. Et puis mouns, c'est aujourd'hui à nous courir toujours. Ah. Moment arrivé pour que voile ça tombe dans le pays. Pour qui ça qu'on fait 4 ans pour persécuter nous? C'est la première fois que ça arrive dans le pays. Comme on dit le président, on laisse les persécuter le monde, c'est le monde qui a persécuté. Je ne vais pas persécuter personne. Parce que je vais persécuter la misère. Je vais persécuter le sous-développement. Je dis à la femme, c'est pour nous faire une chaîne de solidarité pour nous retirer le pays dans sa vie. C'est pour nous faire une chaîne de solidarité pour le pays avec l'autre constitution. Pour les Haïtiens qui vivent dans la diaspora, qui sont riches, qui viennent investir dans le pays. Ou qui viennent dire à Haïti qu'il y a une sécurité, ils ne sont pas venus. Et ou même, quand on doit faire 1 million pour là. Ou hein. A planifié insécurité pour faire au plat pour pas tourner. Mais diaspora comprendre. Nous voyons qui ça a été fait dans le mois de décembre. Ils ont prêché nous par l'exemple. C'est gravieux de m'obliger à mettre pour diaspora dans le pays. Pas de jeunes qui parlent de développement pays sans diaspora haïtienne. Non. Et là, pays en Afrique qui a aujourd'hui, qui ça va c'est diaspora. Ça veut dire que le monde parti, il y a le travail, il y a l'étudier, c'est pour nous connaître une nouvelle porte pour nous tourner. Le culte de la médiocrité, c'est pour nous suspendre ça dans le pays. Pour nous remplacer par le culte de l'excellence. C'est ça pour nous faire. Ça veut dire que le monde qui est plus fort, le monde qui est plus capable, c'est pour nous faire position dans le pays, pour le travail, pour investir, pour nous capable de quitter un pays meilleur pour les générations qui viennent. Moi-même, moi, quoi? Moi, que me dis nous? Matin, en pile vérité, frère Maxime qui est en opposition, moment arrivé, peuple a compris tout le bagage. Pas occupé, nous. Peuple a déboulé le pays, a même dit nous, ça, c'est pas nous-mêmes l'opposition qui devons le bouler. Moun servant avec nous, yo fait nous faire peuple a bouler le pays. Jodia, moun kap servant avec nous, yo, c'est pour nous faire suspendre parce que le peuple a lui-même lui quitté ça déjà. Le peuple va travailler comme ça encore. Il va faire bouler le pays. Je dis à nous construire. Je dis à nous venir à des belles systèmes ça pour lui. C'est l'argent. Parce que le contribuable international a l'argent pour belle bail qu'on s'est construit, c'est pour le peuple. Le peuple a bouqué. Ou même je dis à que il y a des gens qui ont chauffé tes tout pour pouvoir mentir pour prendre la rue. Pour venir dans ce qui passe, dans le wash, dans le boulet caoutchouc, pour la police dans l'arrêt, restez où. Parce que le loi dans prison, c'est pour qu'on doit aller. Les gens qui prennent un gros cob là, qui prennent un monnaie, l'argent dans la poche. Bali, Bolova! Restez où, parce que je dis à son pays, nous vient pour nous construire. Son pays, nous vient pour nous mettre lumière là-dedans. Son pays, nous vient pour nous mettre de l'eau pour nous boire, de l'eau pour nous ouvrir jardin, de l'eau pour nous faire industrie. Son pays, nous vient pour nous construire route là-dedans. Son pays, nous vient pour nous construire campus universitaire dans la région. Son pays, nous vient pour nous construire lycée d'excellence. Même gens, ça prend le fait. Non, non. Premier lycée d'excellence, songez, c'est ça, me dit, dans la campagne. Me dit, c'est pas possible pour un petit monde. Là, il finit la sixième année. La fait 9 l'école et puis son code cabrit qui nous jodi avec Taïwan, que publiquement nous remercier, nous jouons, nous montons,
un programme avec eux pour 28 millions de dollars pour construire le premier lycée d'excellence dans le pays, pour que les gens qui sont capables, les gens sud-ouest, pour ne pas quitter dans la rue encore, pour nous jouer nos côtés pour entrer. Et capacité lycée, ça, la bien capacité pour prendre 750 les gens. Et non concours pour prendre les gens qui sont meilleurs. Et lycée, ça, son lycée complet, là-dedans de 28 millions de dollars, ça veut dire la bien internat, tout le monde, là, après, il y a manger. Il y a bah dormi, il y a bien côté pour faire sport. Si il y a élèves qui délisse ça, c'est pour parler plusieurs langues couramment pour aller à l'université. C'est ça. Si nous voulons construire une société dans 20 ans, dans 30 ans, c'est qu'on y a pour nous commencer pour être petit monde en charge. Et c'est ce que je dis dans la campagne électorale. Je ne peux pas construire plusieurs, mais ça, non, nous avons commencé. Et nous te dit, même si nous pas cap bien, on lycée comme ça dans chaque département, mais au moins il y en a dans le grand nord, il y en a dans le grand sud, il y en a dans le grand ouest. Nous avons trois gros lycées comme ça, pour que les meilleures têtes de ce pays nous pas regarder dans la rue avec un toile nommé au cap sur les machines. Parce que il y a des moyens pour faire éducation. C'est où l'État ça, où l'État c'est accompagner les gens qui sont faibles. Et c'est pour ça, la bataille que je mène, c'est difficile aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre ni. Mais je garantis ou même qui appelé à diriger le pays, suspend le combat. Parce que nous combattons l'autre trop. Nous avons besoin d'un bataillon contre l'autre. Un bataillon pour l'autre. Pour nous avoir une génération qui a venu. Si à profiter de ça que nous avons. Suspend notre fermenti. Faut nous travailler pour que plus bougeonner dans le pays. Pour qui ça le monde nous monte président chaque jour. C'est pour qu'on complot qu'a fait pour jeter le comme président. Ça veut dire. Mon nom a été quitté le 25 ans président. Ou même qu'on y a la voile dans l'élection tout. Ou vino 25 ans tout. Moi même, Wal Pam, prochain président, m'a besoin qu'on a quitté quand l'absouti. Wal Pam, je dis à l'expérience m'a fait, c'est pour tel bali. Accompagne-le. Pour le cas un bon 5 ans. Pour qu'on montre toute piège de la donne, pour le pas prendre la donne. C'est ça lié. C'est world power soit fait politique ou pas là pour combattre l'autre monde qui a fait pour politique. Politique, il est là pour servir le monde. Il est là pour travailler pour bien. Bonne motion, président. Je salue chaque grand de nous qui est présent ensemble avec nous dans cette émission. Et si nous oubliez le like, on nous baille le like. T'as pris. C'est son président qui a pensé le pays. Son monde qui n'est pas égoïste, son monde qui remet Haïti, son monde qui peut porter Haïti dans le cœur. Dis-nous ça clairement. Son président qui te pote Haïti dans le cœur, qui remet le pays. Et monsieur te remet Haïtien. Il pouvait. Il a tué pour ça. Parce que pas qu'il y a un Haïtien qui revient dans la tête de l'État pour défendre le peuple. Il a trouvé le président venu arrogant. Parce que le camp est là pour défendre l'intérêt de la population. Je trouve que le président vient arrogant parce que le camp est pour dire non, on ne peut pas vivre comme ça. Le problème qui arrive, c'est que le président n'a pas jamais été considéré adversaire politique comme des ennemis politiques. Il n'a pas jamais été considéré l'opposition politique là comme des ennemis politiques. Il était toujours qu'on appelait les frères. Frère avec Sœur Léo, qui est dans l'opposition, en nous chita pour nous garder comment nous avons mis Haïti sous pied. Nous avons une jeune entente. Si on bataille pour Haïti, moi je défends Haïti tout. Nous sommes capables de entendre. Ça veut dire que quelque part nous avons un point commun. Mais il n'y a pas de ça. Je venais à la bataille pour Haïti, il y a une bataille pour l'argent. Je venais à la bataille pour Haïti, comme président de la République, c'est mettre le contrôle dans l'État pour que tout Haïtien soit capable de vivre normal dans le pays. Et bien, il y a un groupe qui dit non. Tout Haïtien n'est pas capable de vivre normal. Un groupe monde qui doit gonner quatre têtes chargées pour un groupe monde qui pauvre net c'est nous pour riche net et puis pour nous dominer là ne passe au côté pour que on saute pour dire mes amis quand on grosse machine quand on belle machine pour pas gagner comme si pour haïtien toujours dans niveau à pour les petites machines 98 machine 57 machine 2000 l'haïtien haïtien côté machine 2004 2005 son gros bagage il gagne veut dire nous mettre société à nos niveaux nous appauvrir société là pour faire tout haïtien penser bagage basic net et puis pour nous mêmes 2023 arrivé nous qui machine 2024. Dans pour les dernières machines, nous sommes nets qu'on est. Sous qui est, sous nos peuples. Jovenel Moïse a décidé de décraser ça comme barricade. Comme écart. Nous trouvons l'arrogant. Et la classe politique haïtienne, baille, n'est-ce pouvoir ça, lié pour les messieurs, fait solidarité avec messieurs, lié de n'est-ce assassiner le président. En avance, battre chien, attendre mettre.
population, c'est pour ça qu'on choisit pour faire politique. Ou pas qu'on choisit pour faire politique, ni pour venir riche, ni pour femme venir riche. Ou là pour faire politique, pour travailler pour le bien-être collectif. Et c'est pour ça qu'on travaille. Et acheter Frem, Sem, qui est en opposition, ressaisis-nous. Parce que monsieur Sayo, côté Yoshita, il y a bon divin. Il y a bon cop bon noir. Mais il y a la vie garantie pour 100 ans. Parce que il y a 200 ans depuis qu'il y a pied. Ça veut dire que ça, il y a une caisse là, il n'est pas fini le matin. Bah nous avons garanti. Et les mauvaises habitudes, on la vie dure. Ça veut dire que dans l'État, même gens nous prenons décision pour mettre sous pied l'Agence nationale d'intelligence, il faut nous commencer à suivre les vacabons dans le pays. Pour nous commencer à dire, on est là, l'argent gratté. C'est ça qui passe à la favelle pour nous mettre poids gratté. D'ailleurs, ça veut dire pour la justice, moi je mets en côté. Parce que là, il y a un cob là. C'est soit faire business soit avec ou bien on mettait l'autre côté. Mon papa prend pour déstabiliser le pays. L'argent pour déstabiliser le pays, ça c'est terroriste. Avec nous-mêmes, nous disons, depuis que nous sommes là, nous avons veillé. Et chaque monde qui a un cop qui gratte, c'est dans la rue, on mette l'autre, nous avons privé sous. Nous avons privé sous quand même. Parce que aujourd'hui, nous commençons à suivre en pile bas dans le pays. Pour nous comprendre que aujourd'hui, sortez qu'on fait en 2017, 2018, 2019 là. 2020, 2021, ou pas faire. Parce qu'on a suivi vous. Pour une fois qu'on ait que l'argent dans le gâteau, cherchons Jean, Alba Elino, Ophelina, Alba Kogoua, dans l'école, fait cadeau dans l'université privée. Mais si c'est la rue, ou pas le mettre, n'a pas mettre l'autre côté. Pour comme ça gâteau là, pour nous faire gâteau contre tout le monde. Merci un peu. Bali, Bolo, assassiner un président de la République que tout un peuple t'a voté, c'est assassiner tout peuple ça. Assassiner un président de la République, c'est assassiner nation. C'est assassiner chaque haïtien quel que soit côté sous la terre. Et pour toute raison ça, un crime ça, il pas qu'arrêter impuni. Et parce que bataille pour jeune justice pour Jovenel Moïse là, son bataille qui t'a dû engager chaque haïtien. Parce que jeune monde qui tout président Jovenel Moïse yo, c'est jeune délivre ce pays d'Haïti tout d'un coup. Aussi simple que ça. Pas de passe par quatre chemins, pas de tête langue. Jeune justice pour le président Jovenel Moïse, c'est une justice pour chaque haïtien que groupe criminel assassiné dans le pays. Période. Ancien premier ministre, Dr. Claude Joseph, a décidé pour te faire une série de révélations. Et qu'en pile, n'est pas tant de parler de Claude Joseph. Mais PM n'a pas parlé. Nous dit, en tant que responsable, en tant qu'info Beto, qui campait. Qui dit Dr. Claude Joseph, son jeune haïtien, qui n'a pas pour continuer dans quatre batailles que l'a mené, et mais l'a fait. Révélation ça. Surtout dans quatre batailles que l'a mené, pour le jeune justice, pour le président pays, que c'est le président Jovenel Moïse, il faut qu'on des déclarations ça. Nous ne pouvons pas pour compte. Partagez l'émission, en hein, nous like, abonnez si nous pouvons abonner, et puis commentez, dites-moi ce que nous pensons, sur ce que nous attendez. Intéressant. Je vais saluer chaque grand ami mieux qui attendez là. En entendez, Claude Joseph. Tout comme Bab Jamblier que Ariel, qui était dans le pouvoir, qui n'était pas dans le pouvoir encore, Bab Jamblier que Ariel, c'est un suspect important dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour avoir communiqué avec Félix Badiou deux fois dans la matinée et que Félix Badiou a trouvé le bolakaï Jovenel Moïse. Donc, on ne peut pas oublier que Ariel Henry, c'est un suspect important qui aujourd'hui est en train de faire obstruction à la justice. Ariel Henry a fait obstruction à la justice. Depuis le monté, enquête la Bozé, pas bien enquête encore. Donc, pas bien, qui a ni Lini Balthazar du PHTK. Qui a ni Lini Balthazar du PHTK, ni Ariel Henry pensait qu'un bon matin, il a oublié comme monde qui éventuellement participait dans l'assassinat. Ils devront répondre un jour ou l'autre, puisque. Un jour ou l'autre. Si la justice relève, c'est un jour ou l'autre. Oui, à partir de. Ou même tôt, ou tu es chef gouvernement. Ah, bien sûr. Non, vous-même. Vous songez que. Non, moi, regardez, moi, prêt, écoutez, n'importe là, la justice relève. Parce que, écoutez, on est guidé pour un ministre, c'est normal. Il faut la justice étendue. Même si on est qui levé dans le grand pays. Donc, ça veut dire que je ne sais pas que si la justice relève, c'est un problème. Il faut que vous demandiez. Qui ça, bagarre là? Pas aucune conversation avec Ariel Henry après assassinat, jour assassinat, pas aucun contact du tout? Oui, au contraire, on fait contact avec Ariel. Je sais. Oui, on fait contact. Et moi, dis monsieur, comme ça que. T'as bien, oui? En pile cause, pour elle parler là. Moi, mm-hmm. Il est sur téléphone normal. Moi, dis, Premier ministre, comment oui, en forme. Moi, dis que, autant de ça m'attendait, il dit, oui, il tendait.
Et puis il me dit, eh mais d'accord. Et puis moi-même, je connais, il faut me prendre des dispositions pour être PAM. Parce que je m'apprends tout. On va revendiquer le pouvoir, il comme PAM, il comme commission désignée, même si pour le ministre. Ministre désigné, pour le ministre désigné. Vous voulez attaquer le ministre en fonction. Non, moi, attendez, moi, je comme pour le ministre désigné, mais qui éventuellement, s'il a la capacité, même capacité à même, je sois, et s'il n'est pas impliqué, monsieur t'a pris un pouvoir, il t'a pris en disposition. Vous êtes ça? Oui, non, c'est moi. Écoutez, la question, c'est moi. C'est à la dernière minute, à 6h du matin, 5h, 6h du matin, que on prend commande. Un, tout véhicule, flotte de véhicule, de l'amie Ariel. Mais Ariel t'a couru. Moi qui connais, je dis que Ariel t'a couru. Couru Ariel qui mort? Je ne sais pas. C'est juste même avant, tu es prêt pour sécurité. Écoutez, il y a une information qui est plus importante que ça, non, malheureusement. Il y a une information d'État. Et moi, je me donne un peu de balade dans le pays. Alors, je viens de Chita avant là, je suis à Beau Primature d'ailleurs. Beau Primature, je suis à Ariel Henry, ce soir. Ariel Henry, ce soir même, et monsieur. Monsieur fait des rencontres. Et là, m'a cité le. Soir assassinat. Monsieur le soir. Je soir. Et monsieur vient peur. Parce que le pensait que bah, le fait que aucun des Colombiens, tout parle va le parler. Mm-hmm. Là, non, dans l'hypothèse. Hein, mm-hmm. Aucun des Colombiens, tout va le parler. Ariel courit. Moi, arrêté. Parce que si je ne vais pas assassinat, je vais courir tout. M'arrêter pour assurer la sécurité du pays. Ariel courir. Et Ariel te gagne tout véhicule lui même. C'est le yoé Ariel courir, le coordonnateur de la primature, Rélim. De la sécurité. Mm-hmm. Rélim, lui dit, comme c'est moi-même qui pourrais ministre, encore, qui ça pour le faire? Nous dit, bon fait, chef sécurité, moi. Et puis, tout côté a brûlé moi, qui ça m'a fait, etc. Donc, je me dis, je vais quitter le pays comme ça. Mais en principe, si Ariel n'était pas un lâche, c'est lui qui n'était pas en pouvoir. Ce n'est pas moi-même. Parce que j'étais déjà voyé balayer toute flotte. Flotte, c'est combien de temps? Vous avez la son vide comblé? J'ai comblé en vide. Oui. Tout le monde, attendez. Et soit parle avec tout le monde qui te connaît événement, il y a tout ça. Moi, je veux une flotte. Si je veux une flotte machine, je veux ministre. Quelle machine ça fait venir, je veux? Eh bien, le coordonnateur et les autres membres de sécurité primature qui jugent bon que le pays va arriver comme ça, vous voyez. Et puis, automatiquement, c'est moi la presse après l'international. Vous savez, Ariel, vite pour Pestalo. Non, attendez. Ariel c'est après deux. Attendez. Écoutez, il faut comprendre la situation. Vous voyez qui est Ariel? Ouais. Pour le tourner. C'est là, monsieur, ouais, par exemple. Mais pas qu'on a rien, oui. Mais pas qu'on a rien. Bon ami qui l'autre bord. Monsieur Tim, depuis le temps de Badio, il y a trois mon oui. Henri, Paul Denis, Léon Charles. Je dis, il faut comprendre la situation. Vous voyez qui est Ariel? Ouais. Pour le tourner. C'est là, monsieur, ouais, par exemple. Mais pas qu'on a rien, oui. Mais pas qu'on a rien. Gros amis qui est bon. Monsieur Tim, depuis le temps de Badio, il y a trois mon oui. Ariel Henry, Paul Denis, Léon Charles. Je dis, monsieur dit depuis Badio là, mais toi, nous avons, parce que Léon Charles, c'était un ami Badio, mais nous venons comprendre que Léon va parler avec Badio pour mon temps. Mais moi-même, je ne connais pas les gens, je ne connais pas. Badio, par exemple, je ne connais pas. Monsieur dit que Badio, c'est un opérateur. On n'est pas capable de Badio un côté pour ne pas attendre Paul Denis là, pour ne pas attendre Ariel Henry là. Mais est-ce qu'on estime que comme tout bagage à eux, je ne connais pas. Donc, Ariel, les courir. Et vous savez que les messieurs disent, monsieur, comment vous avez arrêté mon cher, ma pestalo? Non, attendez. Je prends de position pour le pays,
Si monsieur était là, je l'attends, monsieur est dans la position. Monsieur s'est couru la cour. Pour monsieur, on va l'arrêter. Pourquoi ça? Parce que Ariel, selon, même dire, faut qu'on traite l'implication de Ariel dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Tu as dit l'implication? Oui, l'implication présumée. Ah. De Ariel Henry dans l'assassinat. Et non, non, et si monsieur va dans l'émission, on va arrêter là. Parce que je m'en parler, je vais faire des signes qui sont pas intéressants. Non. Yeah. Ok, ok, d'accord. Donc, l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'implication de Ariel Henry est presque claire. Mm-hmm. Est presque claire. Même si, dans un premier temps, pas de monde qui connaît Ariel Henry participer dans l'assassinat, mm-hmm. ou bien impliqué, présumé, mm-hmm. mais toute démarche pour monsieur faire obstruction à la justice, pour qui ça? Est gratuite. Est-ce que c'est implication lui-même directement, ou bien est-ce que lui-même il protège les assassins? Donc, pour moi-même, c'est soit qu'il est Mbawe, Mbawe, pour qui ça? Ariel Henry a participé. Mais à quelle époque, dans quel moment de la durée, vous venez des soupçons, vous venez commencer à questionner? Mon cher, moi, je viens des soupçons, c'est le. Rapport à l'IDH là? Non, même ça, même pas ça. C'est pendant que mon ministre des Affaires étrangères, et puis moi, je vois Léon Lacaille, monsieur dit que. Le pas dit que Léon c'est un fin diplomate. Mm-hmm. Monsieur dit que il a progressivement appris son aigle. Il a progressivement appris son aigle. Et ça veut fait que l'aigle est un bouleversé. Il a progressivement appris son aigle. Et il a progressivement appris son aigle. Et là, ça m'a quoi rapport de CPJ à ce sorti. Rapport de CPJ à ce sorti, il m'a gagné un copier. Mm-hmm. C'est RNDDH qui peut le faire comprendre. Là, moi, je me dis, est-ce que nous sommes ça nous mettait à évoluer? Et puis, voyons, composer le numéro, moi, c'est le numéro Ariel qui parle avec. Donc, là, je ne suis pas dans le gouvernement encore. Non, là, ça, mon ministre des Affaires étrangères. Le RNDDH a sorti, Oui. Mon ministre des Affaires étrangères. Donc, le Léon dit que progressivement privé sur la gueule. Ça veut dire que Léon lui-même, il commence à gagner des informations. Mm-hmm. Et puis, c'est là, ça, moi, je dis, monsieur, écoutez, donc. Qui ça va aller, mais c'est jusqu'après et la vient informer, etc. Monsieur Kounba, ça vous dit que plusieurs côtés vous dit souhaiter gain soupçon ou pas d'abord Ariel pouvoir. Et m'pas qu'à dire pas d'abord Ariel pouvoir et si m'de gain soupçon Ariel d'abord m'pense commissaire gouvernement s'il de gain soupçon tout t'as metté au mandat de Ariel pour expliquer. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez pour l'expliquer c'est pas il va arrêter Ariel. Est-ce que vous voulez. Donc, à ce moment, et je pense que la société civile là, de l'autre monde a organisé au mieux pour gagner. Je ne pas qu'on a une dynamique de Kembe pouvoir. Et je pense que faut que tu achètes avec l'ensemble de la société civile ou ouais, qui meilleure façon pour organiser l'élection. Parce que moi-même, je ne pas qu'on que nous capable d'avancer seul. Mm-hmm. Donc, vous comprenez? Et même pas de connaît, et commune. Mais c'est dire. Si Ariel, par exemple, dans le gouvernement là, il pas trop tiré dans commune ça fait étrangère. Non, parce on le résultat. Mais mon cap dit ça. Non, attendez, il faut répondre. Non, c'est exactement ça. Moi, le dit Ariel, pas trop tiré comme ministre. Est-ce que tu as aussi, il a dit, mais au contre lui, accusé, attaqué? Non, un barameur contre Ariel. Ça, c'est le premier bagaille. Moi, la bataille pour la justice, pour le président Jovenel, un barameur contre Ariel. Pour moi-même, Ariel, c'est presque au moins sous-côté. Mm-hmm. Okay? Comme l'a fait obstruction à la justice, je me focus sur lui. Je me mets en compte Ariel. Mm-hmm. Mais deux, pas oublier que mon comportement, ça, depuis l'aime mon gouvernement. C'est de justice. Non, mais de justice. Moi, j'ai un comportement ça, depuis l'aime mon gouvernement. Non. Mais écoutez, moi, je suis un diplomate mm-hmm. quand même. Mm-hmm. Mais moi-même, je poussé pour écarter mon gouvernement. Pour qui ça? Parce que tout ça m'a fait, c'est des bagages qui étaient allés
nous sommes capables de dire dans la direction opposée à sa gouvernement. Sous question de justice, président du gouvernement Moïse. Donc ça veut dire que nous sommes un bon collaborateur, Ariel Jodia là. Si nous devons faire ça. Mais c'est que vous pouvez quitter le pouvoir, vous pouvez remettre Ariel le pouvoir. Mais c'est Blanc qui retire le pouvoir qui va arriver. Non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. C'est un tweet de Koumanap. Non, du tout, du tout. Qui met Ariel. Non, depuis avant. Qui dit Ariel, il faut que le gouvernement ne soit tombé. Non, du tout. Depuis avant, on a rien à travailler sur. Oui. On fait Ariel. On a décidé de quitter le gouvernement. C'est après. Non, depuis avant. C'est dans la construction de l'autre gouvernement. Ariel vient dans la caille plusieurs fois, nous chita. On fait Lambert venir tout. En pleine crise, on cherche une meilleure solution. Et là, non, là, on a construit pouvoir même. On a reconstruit. On a reconfiguré pouvoir. Avec vous-même, Ariel Lambert. Moi-même, Ariel Lambert. Bon, Lambert lui-même, effectivement, il parlait faire un autre réticole parce qu'il était gagné, on l'autre approche, n'est-ce pas? Et parce que moi-même, je me déclare, c'est l'élection qui est faite pour gagner de l'autre configuration politique en pays. Bon, voilà. Mais c'est Blanc qui retire, non? Non, moi, deux ans encore. Blanc va retirer. Blanc connaît que moi-même, on est encore, mais on va retirer. Blanc va rester d'aller. Blanc va pour vous maintenir en quatrième, vous êtes le premier président. Bon, on va connaître ça. C'est bien, on va aller ici tout le monde. Ok, bien. Bon, on y fait qu'on y a là. Ou venez le gouvernement, ou dans l'ONU, ou pratiquement défend Ariel. Non, pas défend Ariel, je toujours défend le même principe là jusqu'à jeudi. Moi, je crois que l'accord 11 septembre, là, c'est une bonne base. C'était exactement déclaration ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, Dr. Claude Joseph, effectivement, qui a fait des révélations dans ce qui est pour avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, sur ce que Levin connaît. Effectivement, qui t'a pas dérangé l'équipe criminelle Ariel Henry, qui t'a pas fait que quelque part, il t'a pas écarté le gouvernement. Lui-même, naturellement, chacun le dit, lui bataille pour qu'il écarte le gouvernement. Parce qu'il connaît que les sous-collés encombrants pour assassins qui prennent pouvoir. Et parce que pas jamais capable de les assassins. Et moi, je dis ça honnêtement, nous avons besoin de justice pour le président Jovenel Moïse parce que nous pas là. 18 mois, si nous sommes capables de faire pendant 18 mois, mais monsieur, le pays a une élection quand même. Nous mettons comme si nous voulons. Boulot sous mettre pose. Je dis à fort 18 mois depuis tout de pour quitter pays d'Haïti avant qu'on soit président. 5 juillet 2021, 5 janvier 2023, ça fait exactement 18 mois. Ti volant sans sale, ti sangouin, ti assassin, ti kamikaze, ti terroriste, nous connons. Et on a payé pour ça qu'on fait. Chaque grand compatriote qui t'a tendu là, qui ton petit commentaire. Pour volant sans sale, ça sangouin, ça que les boulots là pour moi. Qui ton petit commentaire, parlez n'importe qui j'en avais. N'a pas rencontré pour l'autre émission, sous plateforme ça. Que bien la balague. Info Beto.